En Burkina Kebaloulé. Ay, tenga fomo soluye. Oh, Burkina Keba. Burkina Musoye Barada. À Ouagadougou, tôt le matin, les activités reprennent sur l'avenue de la cathédrale. Les bureaux de SACO sont sur cette rue environ un demi-kilomètre plus loin. Le secrétariat, en fait, tout ici, on reçoit, on prend des appels. Je suis le représentant pays pour SACO au Burkina Faso. Représenter SACO, c'est gérer la relation entre les clients de SACO et le bureau de SACO Montréal. Il s'agit de susciter les demandes, les approuver et les envoyer, et ensuite gérer ici avec mes collaborateurs Edoxy, Oumarou et d'autres, et la présence des conseillers volontaires sur le terrain. Représentant de SACO au Burkina. J'assiste M. Traoré pour la mise en œuvre du programme SACO au Burkina. Actuellement, à Ouagadougou, nous sommes quatre conseillers qui travaillons dans le domaine de la microfinance. Pour ma part, tous les matins, un taxi vient me cueillir pour m'amener sur mon lieu de travail. C'est Jean-Paul, le chauffeur du taxi. Pour nous rendre à la caisse Nabon Swandé où je travaille, il faut traverser le barrage. Voici les activités des habitants du quartier Sabin Barrage que l'on peut observer devant la caisse Nabon Swandé. En plus de l'épargne et du crédit, la caisse s'implique socialement, surtout auprès des femmes, en offrant des services d'alphabétisation, par exemple. Voici mes collègues de travail. D'abord, Asmata, la secrétaire comptable, ainsi que Françoise et Monique, les deux caissières. Deux autres conseillers volontaires travaillent pour cette caisse.
Je suis Lisette Guertin, je suis à la MUFED, l'Association des mutuelles des femmes et développement. Le but ici, que ce que je fais ici pour trois, j'ai une mission de 3 semaines, c'est les aider, les appuyer au recouvrement de leur crédit. Alors, je voulais absolument vous présenter Sylvie Zéo, qui est ma collaboratrice, qui est la gérante ici à la MUFED, au niveau du crédit, pour plusieurs guichets ici. Combien de guichets en tout, Sylvie? Alors, 4. Quatre guichets, qu'elle est responsable au niveau de l'épargne et du crédit. Et crédit. Elles arrivent à faire les activités et puis maintenant dégager une épargne qui pourrait être utilisée dans leur, au niveau, pour faire face au niveau des charges financières de la famille. Voilà. Ce qui est extraordinaire ici, c'est que vous faites le crédit et l'épargne sur le terrain. Oui. Alors, c'est vraiment une situation extraordinaire qu'on ne voit pas chez nous, mais ça commence sur le terrain et c'est très apprécié de la population. Elles sont connues et reconnues ici, ces dames. La formation sur le recouvrement se fait dans les bureaux de SACO. Cette année, avec Mme Key, la décision qu'elle a prise, c'est qu'on s'en va. Il faut avoir atteint le nombre de 5 % de recouvrement pour la MUFED en 2010. C'est pas évident le terrain. Alors, c'est sûr que vous voyez que vous avez des embûches assez souvent, j'imagine. La façon de l'approche à votre client, qui devient votre ami aussi dans le temps, parce que vous le voyez quasiment tous les jours, ce client-là. Alors, c'est plus un client, ça devient aussi une connaissance, un collègue de travail quasiment. J'aimerais ça vous entendre. Selon mon entendement, le recouvrement, c'est l'action qui permet à l'agent de crédit d'aller récupérer l'agent qui est allé sur le terrain. Bon, il y a des problèmes liés, il y a des problèmes économiques, sociaux. Les problèmes sociaux, on voit c'est pour des raisons de santé, des cas de décès. Et ça crée des embûches pour le recouvrement? Oui. Une qui va des peines, elle au moins, elle peut avoir un crédit de 150 000 pour pouvoir faire son marché. C'est bien. Alors, ce que tu es en train de nous dire, peut-être qu'on devrait avoir des normes, un montant par rapport au produit. Comme ça, notre crédit, on ferait du meilleur crédit, s'assurer que la personne soit moins, qu'elle soit moins dans l'obligation de payer une traite trop élevée pour elle. Je suis présentement ici au Burkina Faso pour aider des institutions de microfinance. J'ai actuellement 4 clients avec qui je travaille et mon mandat est particulièrement de les aider à élaborer des politiques et des procédures au niveau de la gestion des ressources humaines. Donc ici, on appelle ça le statut du personnel. Donc finalement, c'est un document qui résume un peu les pratiques à l'intérieur de chacune des organisations en termes de gestion des ressources humaines. Alors, je suis présentement avec Aseto Akotionga, qui est la responsable des ressources humaines au sein d'une organisation qui s'appelle Mutuelle Femmes et Développement Burkina Faso. Donc, de façon plus simple, MUFED. Alors, on travaille présentement à élaborer ce document-là pour l'institution pour laquelle elle travaille. Alors, le profil de poste, c'est savoir est-ce que on veut créer un profil de poste, une description de poste pour chacun des postes de l'intérieur de l'UFED. On en a peut-être 5-6 postes à faire. Non, puis le problème, dans l'autre document, il y a déjà des profils, j'ai même tiré. Oui. Il y a déjà les descriptions de postes, oui, que tu avais dit de revoir pour essayer de les classer. On a les descriptions, on a voici le deuxième client avec lequel Claude travaille. On le voit ici avec Madame Eugénie. Toujours à la coopérative d'épargne de crédit Copec Galore, nous allons rencontrer Benoît Bouchard, un autre de nos collègues, conseiller volontaire de SACO. C'est l'équipe pour l'approvisionnement. Voilà, l'approvisionnement, c'est ça. Qu'est-ce que vous m'offrez? Du riz? Du riz ou du maïs, hein? Vous connaissez le taux? Il y a du maïs, du riz. La même chose. La même chose. Vous aimez la formation? Oui, j'aime ça.
comme ça, mais... Comme c'est mon travail, je le fais. Comme 4 à 5 jours. 4 à 5 jours. Donc, sur Word et puis Estelle. Et si tu as des questions, qu'est-ce que tu fais? Je vous appelle. C'est ça. Vous venez, vous me montrez. Quand vous m'appelez? Ouais. Quand vous m'appelez? N'importe quand? Oui. C'est ça, n'importe quand. Je vous appelle, vous venez me dépanner. Oui. Et je continue. Et je continue. Voilà. J'avais bien compris. Voilà. J'ai tout compris. Avant de s'attaquer à la formation, Benoît a conseillé la direction pour l'achat des postes et il a dû ensuite en faire l'installation. On le voit ici avec Safi Atou. Il travaille pour établir le plan de compte et pour présenter un canevas pour les diverses opérations de la caisse. De retour à la caisse Nabonswande, mon travail consiste à améliorer leur logiciel pour pouvoir traiter les revenus et les dépenses. Donc, je copie le tout. Tu copies le tout dans Excel. Je parle à Excel. C'est ça. Okay. Soit des frais agis aussi. Quelle année? C'est 2010. Je fais aussi la formation du personnel ainsi que de Mme Pélagie, la directrice de la caisse. Puis est-ce que ça balance, Françoise? Oui, oui. Hein, oui? Oui, ça balance. Là, c'est la grande argentière, celle-là. Ça balance très bien. Il y a beaucoup de dépôts aujourd'hui. Comme c'est la fin de la semaine, les gens la viennent déposer. Comme tous les jours, Jean-Paul m'attend à l'heure convenue pour le retour. L'affectation terminée, on en fait l'évaluation. Les affectations ont vraiment amélioré le travail. Moi, on nous dit par exemple une caisse dès la première année de pouvoir faire des bénéfices. Regardons même dépend la confiance et le travail qui est bien fait. Nous voyons des caisses qui sont amélioriées. Nous remercions Dieu grâce à votre soutien avec les volontaires. Il n'y a pas quelqu'un qui vient qui ne gagne pas ce qu'il a déposé. Moi, je paye, c'est plus que je sais ce qui est actif, ce qui est passif maintenant. Par exemple, les dépôts des membres, ça fait partie du passif. Ça, c'est un exemple. Je connais tout ça, je peux essayer de m'organiser. Et pour terminer, la photo de groupe.